Regarder un passage. Dans, on va rester dans le psaume. J'avais à cœur de, de parler des deux psaumes. donc Ce matin, c'était le psaume 46 et la question du terrorisme et l'évangile. Et cet après-midi, on va aborder la question de souffrance, de la souffrance. Où est Dieu Où se trouve Dieu dans la souffrance Et euh, alors. Euh, on va lire le passage dans un moment le psaume 13 mais le Talmud qui est le commentaire rabbinique de la Bible dit si tu veux si tu veux vivre attends-toi à de la douleur il est vrai que on est tous égaux devant la douleur la souffrance appartient à tous aussi bien aux riches qu'aux pauvres et ne s'arrête pas à des frontières Culturelle ou linguistique, comment être en accord avec nos expériences négatives et les exprimer Dans la culture juive, il y a un mot, kvetch. Vous pouvez le dire avec moi, kvetch. Kvetch, c'est se plaindre, comme disait le frère tout à l'heure, euh, mais se plaindre d'une certaine manière un peu exagérée et unique. Euh, ma mère est une vraie kvetcheuse, elle sait comment le faire et c'est une kvetcheuse silencieuse. Euh, je vous donne un exemple. Alors, en général, les mères juives sont connues comme telles, d'ailleurs. Il euh, y a une histoire qui dit, combien de mères juives faut-il pour changer une ampoule Et la réponse, c'est aucune. Parce qu'elles disent tout le temps, ça ira, je resterai assise ici, toute seule, dans le noir. Alors, vous comprenez un peu ce que c'est que le catch sentiment qui vous rend coupable de la souffrance de l'autre, bien, Franz Kafka était un Kvetch. Bien sûr, il y a des antiques quevetchers, ceux qui se plaignent sans trop comme monsieur, je fais mieux que tout le monde. Il y a une histoire très connue d'un jeune homme religieux assez zélé qui priait et remerciait Dieu pour toutes choses quand il buvait, quand il se levait, quand c'était Dieu le matin, Dieu l'après-midi, Dieu le soir. Et euh, il voyageait dans un train, il disait ses libations et ses prières constamment. Et son compagnon de train, qu'il ne connaissait pas, juste un autre voyageur, n'appréciait guère ce comportement. La fenêtre était ouverte du wagon, passe à un pigeon, à ces grand pigeon, et lâche une énorme fiente sur le jeune zélé. Il l'a partout, dans son cou, dans ses cheveux, sous la kippa, partout. C'est partout, partout, partout. Et l'autre voyageur est heureux pour cela et pense intérieurement, il va enfin devoir se taire, ce, ce jeune homme. Sur ce, il est surpris parce que le jeune homme zélé dit, aïe aïe aïe, merci Seigneur, que les vaches n'ont pas des ailes. Bien sûr, cette prière est aussi une forme de quetch, n'est-ce pas, une forme de plainte. Maintenant, on va regarder une plainte, ou comme pour utiliser le langage biblique, une lamentation biblique, qui se trouve, comme j'ai dit auparavant, le psaume 13. Donc, on va le lire, si vous voulez bien tourner au psaume 13, au chef des chantres. Psaume de David. Jusque à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse Jusque à quand me cacheras-tu ta face Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas Je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Ceci est un psaume de lamentation. Comme on dit, les psaumes sont souvent divisés en plusieurs catégories. Certaines psaumes sont appelés des psaumes d'intronisation, des psaumes royaux. D'autres psaumes sont des psaumes messianiques. Certaines psaumes s'appellent des psaumes d'imprécation. Alors, ces psaumes-là, c'est difficile pour nous à comprendre, surtout à la, à, à la lumière du Nouveau Testament, quand le psalmiste va prier contre ses ennemis pour que dieu se venge de l'injustice pour qu'il attaque ou même tue l'ennemi des psaumes d'imprécation. il y a plusieurs types de psaumes. certains le divisent comme les psaumes concernant la loi de dieu, la parole de dieu et le messie de dieu, celui qui incarne la parole de dieu. dans le psaume de lamentation comme dans celui-ci, il n'y a pas de raccourci vers le soulagement. pas d'expert. Pas d'humour pour désamorcer, vous savez que j'aime beaucoup l'humour, mais il n'y a pas d'humour pour désamorcer cette peine qui est lourde, qui est difficile à porter, que l'on sent dans ce texte. Et encore dans ce texte, exprime d'une manière magnifique ce qu'on appelle le parallélisme hébreu. Quel est le parallélisme biblique hébreu En fait, c'est une répétition. La manière dont les poèmes sont faits en Occident, en France ou dans plusieurs pays de l'Occident, il y a le rime, n'est-ce pas Dans le vers ou le prose, il y a des phrases, des alexandrins, des, des, euh, des différentes techniques littéraires qui sont absents vraiment dans les psaumes ou sont exprimées différemment. Et ce qu'on voit dans les psaumes, c'est ce qu'on appelle les, le parallélisme hébreu. C'est-à-dire une phrase est répétée après l'autre. Ou une phrase est suivie par un contraste de l'autre, comme on va le trouver ici. C'est quand quelque chose est important pour nous. Quand on ressent quelque chose dans nos tripes et on veut l'exprimer à quelqu'un d'autre, on le répète. N'est-ce pas? Pour insister, on en rajoute, on exagère, on se répète. On en rajoute, on exagère, on se répète. On en rajoute, on exagère, on se répète. Comprenez? Punimayo, capito? Ok. Un bon parallélisme va plus loin que la simple répétition. Par exemple, il y a une différence entre quelqu'un qui a une mauvaise vue, qui voit mal, lunettes, et qui est aveugle, n'est-ce pas Il y a quelle différence entre quelqu'un qui est aveugle, qui l'est devenu, et quelqu'un qui est aveugle de sa naissance Il y a une différence entre quelqu'un qui est aveugle de sa naissance et quelqu'un qui est né sans yeux. Il y a quelle différence entre quelqu'un qui est né sans yeux Dehors est quelqu'un qui est né sans yeux dans un lieu noir sans fenêtre. Ça, c'est le parallélisme qui nous aide à comprendre par la répétition et par le contraste la profondeur d'une pensée pour l'approfondir ou élargir l'idée. Et c'est la clé pour comprendre les psaumes et donc ce psaume. Quelqu'un a une fois dit, et je crois que je suis d'accord, que les psaumes sont la révélation de Dieu à l'homme ou à l'être humain. Et la réaction de l'être humain à cette révélation Voyons l'introduction de ce psaume pour commencer. Et ça commence d'une façon très juive avec une question. La question est de la plus haute importance dans la culture juive, la pensée juive, même des fois plus importante que la réponse même. Le but, la question ici n'est pas posée d'une manière philosophique ou rhétoriquement. La personne est en souffrance et cherche une réponse. Elle veut une réponse. Ce n'est pas un exercice philosophique parce qu'elle elle a mal. Mais on sait, le psaume dit clairement qu'il n'y aura pas de réponse. Mais on en verra ça plus tard. Mais il commence d'une manière à devoir rattraper notre attention. Au chef des chantres, psaume de David, tu as mon attention. Tu écris une lettre ouverte au président de la République. Tu vas porter attention à cette lettre ici. Il écrit aux plus grandes instances du pays. La douleur est si profonde, si intense que l'auteur veut que tout le monde l'entende et il prend le temps de recul, de l'étudier, de structurer, d'exprimer sa peine et ensuite de le mettre en musique et de l'envoyer au chef des chants. Rappelez-vous que les psaumes sont le livre de cantiques d'Israël dans l'Antiquité, c'était leur parapoint à eux pour les paroles des chants. C'est ce qu'ils utilisaient dans le temple. Quand nous sommes dans la douleur, quand nous souffrons, le temps ne passe pas, n'est-ce pas En tout cas, c'est l'impression que ça, là, nous donne, que c'est interminable. Et ici, dans le psaume, jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur dans la célèbre pièce du théâtre de Jean-Paul Sartre, Oui, Clos, vous la connaissez, vous l'avez étudiée à l'école, certainement quand vous étiez petit, les personnages sont coincés dans une pièce, sans issue, sans sortie, sans distraction, pas d'internet, pas de téléphone, le temps ne s'écoule pas, c'est que eux, que les personnages confrontés à eux-mêmes et à l'un et l'autre, après beaucoup de dialogues, parfois drôles, parfois désespérants. Les personnages arrivent à une prise de conscience qui est devenue célèbre dans le monde entier. Vous connaissez la phrase ⁇ L'enfer, c'est les autres ⁇ Je pense que ce que conclut Sartre est très biblique. Quand vous êtes seul et que vous n'avez rien que vous-même, vous arrivez à une prise de conscience. L'homme n'est pas le centre de l'univers. L'homme et sa raison ont des limites. Et quand nous les atteignons, nous nous rendons compte que nous sommes pourris jusqu'à la moelle. Ça n'a pas commencé comme ça, attention. Nous avons commencé parfait au début, mais le péché de croire que nous sommes le centre et l'origine a ironiquement gâté notre image, de telle façon qu'aujourd'hui il nous est difficile, même impossible, de réaliser que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et encore plus difficile d'imaginer que d'autres, ceux qui nous font mal, sont aussi créés à l'image de Dieu. La souffrance remue tout ça, le relève, remémore tout cela. Ici, l'auteur du psaume semble se débattre et se confronte à lui-même, à sa solitude, à sa propre mesquinerie et à celle de la situation. Pour le dire de façon biblique, encore, nous sommes pécheurs. Maintenant, si on ajoute la souffrance à tout ça. Oh là là. Vous savez que, quelle est la pire chose que l'on peut faire à quelqu'un qui contemple le suicide, quelqu'un qui est suicidaire Vous savez quelle est la pire des choses à faire avec cette personne La laisser seule. Ne laissez jamais une personne suicidaire seule. Parce que quand vous souffrez, vous êtes au bout de vous-même. Vous vous confrontez à vous-même et vous êtes si éloigné de l'image de Dieu. Vous êtes si éloigné de ce dilemme que vous devenez, vous arrivez à la conclusion de Sartre, et une seule sortie de cet enfer, c'est de se donner la mort. C'est un peu lourd tout ça. Hein? Vous êtes content que j'ai commencé avec une plaisanterie Bon, ben, je vais soulager un petit peu la chose. Je vais vous donner un aperçu de la fin pour que ça aille mieux. Le psaume 139, de versets 7 à 12, l'auteur dit Où irais-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour, au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Que nous dit ce psaume Tu n'es pas seul. Tu ne pourras jamais être seul. Peu importe dans quelle situation tu es, peu importe tous les amis qui t'ont abandonné, la famille qui te détourne le visage, jamais, jamais, au plus grand jamais, Jésus ne te laissera seul, ne t'abandonnera pas. Jamais. Tu n'es pas seul. Dieu est comme Forrest Gump, fidèle, patient, fou d'amour pour Jenny. En attendant Jenny, peu importe nos choix de qui nous détruisent, peu importe la douleur, l'enfer dans lequel nous nous sommes, il sera là, les bras grands ouverts, prêt à nous accueillir si on revient pour, à lui, prêt à nous aimer. Le parallélisme de ce psaume continue dans la deuxième partie du verset 3. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Une grande partie de notre souffrance provient des autres. Que faites-vous quand les gens vous font du mal, du mal Que faites-vous Il n'y a pas beaucoup d'options. Soit vous encaissez, soit vous le gardez pour vous-même, ou soit vous le lâchez. On peut dépenser des centaines, des milliers d'euros à aller en thérapie et raconter à un thérapeute nos problèmes et de parler mal des autres aux thérapeutes. Euh, il n'y a pas de remède rapide en thérapie. La thérapie, souvent, amène plus de thérapie. Et des fois, il faut des médicaments pour effectuer un changement de comportement. Je crois que ça peut être bien pour certains. Mais certaines thérapies, j'aimerais dire que je crois être nocives, mauvaises, comme certaines psychanalyses qui nous forcent à tout remettre en question. C'est comme tout exploser dans la vie pour déconstruire, sans plan pour reconstruire. Bien sûr, toutes les thérapies, si jamais vous les envisagez, il faut les accompagner par la prière, par des frères en Christ, demandant à Jésus de faire briller sa lumière dans nos ténèbres parce que lui, il peut nous reconstruire. D'autres, par contre, se débarrassent de la souffrance par le kvetch, celui qu'on a utilisé aujourd'hui, mais ils le font aux autres, parce que c'est ça ce que Jésus nous a demandé de faire, n'est-ce pas Si quelqu'un vous fait mal, partagez ça avec votre femme, non Ah non, il n'a pas dit ça, il a dit, si quelqu'un vous insulte ou vous fait mal, vous blesse, il faut le partager avec vos meilleurs amis. Non, qu'est-ce que Jésus a dit Si quelqu'un vous fait mal, va directement voir cette personne et va régler ça tout de suite. Il ne dit pas d'aller partager aux autres. En hébreu, on appelle ça la shonhara, la mauvaise langue. Un, un rabbin, une fois, raconte l'histoire qu'il a été, sa réputation a été salie par l'un de ses disciples. Il est allé raconter n'importe quoi, d'autres. Et il a voulu se réconcilier avec le rabbin. Il, a, il, a venu, il est revenu vers le rabbin. Il a dit, que puis-je faire pour... Euh, rectifier la situation. Et le rabbin a dit Prends un oreiller, va dans un, une falaise et déchiquete-la avec un couteau et laisse toutes les plumes s'envoler au vent. Alors il a fait comme ça il est revenu vers le rabbin et il a dit Et maintenant quoi Il a dit Ramasse-moi toute chaque plume et ramène-la à moi. Il a répondu Je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Il a dit De la même manière, ce que tu as causé ne peut pas être attrapé, tes paroles. Il y avait manque de grâce certainement dans cette histoire, mais l'idée c'était que de parler mal de quelqu'un va contraire à la Bible et est très difficile de réparer. C'est exactement de jeter de l'huile sur le feu. Et je l'ai vu briser des mariages, je l'ai vu diviser des églises. Ne parlez mal, pas mal des uns des autres, vous allez augmenter votre propre souffrance. Et vous avez infligé la souffrance sur les autres. Surtout, surtout, ne parlez jamais mal de votre pasteur, ni de la femme du pasteur. Euh, je sais ce que c'est que d'être dans le ministère. Et été, je suis à Paris dans le ministère depuis presque 18 ans, mais pas aussi long que 74, c'est ça 74, Henri Et il n'a que 39 ans, selon ce qu'il me dit. C'est difficile, des fois, euh, on veut arrêter, juste pour être honnête, on ne veut plus continuer. Mais la fidélité d'Henri et Karen leur fait honneur et euh, je vous encourage vraiment à les honorer, Amen. en privé et en public. Donc, d'autres se débarrassent en aux autres, mais ce n'est pas nous, ce n'est pas ce que nous allons faire. Amen. D'autres ne parlent pas, mais ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent, et ils deviennent rigides et ont un comportement presque exemplaire. Et par la suite, ils oublient la grâce de Dieu. Ils pensent que c'est par leur propre mérite qu'ils vont gagner, parce que Dieu va revenir sur terre pour les bons, n'est ce pas? Eh bien, ils oublient aussi que nous sommes tous pécheurs, et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ou comme l'a dit un célèbre chanteur américain Billy Joel, L'honnêteté est un mot si solitaire. Les psaumes sont si exacts à ce sujet et leur exemple ne correspond pas à ce que la plupart des gens font de leur souffrance. Le psalmiste ne garde pas la souffrance pour lui et ne la vêche pas aux autres. Qu'est-ce qu'il fait Il ne jette pas de l'huile sur le feu et il n'en caisse pas. Il donne au Seigneur. Il donne au Seigneur. Est-ce que vous avez déjà fait ça Je vais vous donner quelques exemples de comment le psalmiste le fait. J'espère que ça va vous, vous laisser la bouche bée, comme cela fait pour moi. Maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Et moi, je suis un verre et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Le psalmiste est honnête au, honnête au plus haut point avec Dieu. Il ne cache pas sa misère à Dieu. Il ne cache pas ses péchés devant Dieu et il l'amène devant la prière. une très belle phrase dans les Écritures que David utilisait souvent, et je ne sais pas si j'imagine que vous la connaissez, ⁇ Je répands mon âme devant l'Éternel. Est-ce que vous avez déjà fait ça De répandre son âme devant l'Éternel. C'est difficile à faire parce que ce n'est pas très beau. Ce n'est pas beau ce qu'on ressent pour les autres des fois. À quand remonte la dernière fois que vous avez répandu votre âme à l'éternel À quand remonte la dernière fois que vous étiez 100% honnête avec Jésus C'est la leçon qu'il nous donne les sacrifices. Dans l'ancien culte israélite, on devait amener les sacrifices une viande crue, surtout pas sucrée, surtout pas cuisinée. Ne mettez pas de miel dessus, ne mettez pas de la farine dessus. Il fallait venir devant le temple de l'autel pour demander pardon. Tel qu'on était, tel qu'on est, c'était une pagaille sanglante, bruyante. Et c'est intéressant. Juste pour accentuer cet, cet aspect des sacrifices, il y a un sacrifice parmi d'autres qui sort du lot, qui est le plus insolite. Et ça, c'est lors de la Pentecôte. On offrait deux miches de pain au levain à l'Éternel. C'est insolite parce que voyez-vous, mes frères et sœurs, le levain dans, le, dans la Bible représente le péché, et on devait prendre ces beaux pains de mich et le secouer devant l'Éternel, comme si on devait relâcher et montrer tout ce qu'on a été devant l'Éternel. C'était d'autant plus insolite parce que quelques semaines avant Pentecôte. C'est la Pâque où, on, avec beaucoup de soin, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, on enlève toute trace de levain, toute trace de levure pour dire qu'on veut briser le cycle du péché quotidien dans la vie. On veut se séparer du péché. Mais pour Pentecôte, dit malgré tous vos meilleurs efforts, je veux vous amener, que vous ameniez vos péchés à l'autel, à la croix. Prenez vos ennemis, les gens qui vous ont blessé, et amenez-les devant Dieu. Les paroles dans ce psaume suggèrent une rencontre entre Saül et David. Saül voulait tuer David. Et David a dû s'échapper à maintes reprises de Saül et de l'armée qui était aux trousses de David. Et David devait se cacher dans des rochers, dans des caves. Et à deux reprises, d'une manière complètement coïncidente, de, 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 non prévu par David, c'était le Seigneur qui avait prévu, Saül était entre les mains de David. Et David aurait pu en finir une fois pour toutes. David a eu l'occasion de tuer Saül deux fois, mais il s'est retenu parce que c'était loin du Seigneur. Il n'a pas réagi au péché de Saül à son encontre et à laisser ses propres envies de vengeance devant le Seigneur. Et David dit, l'Éternel t'a mis entre mes mains. Paul dit dans Romains que quand nous prions pour les gens qui nous font du mal, cela revient à amasser des charbons ardents sur la tête. Le jugement de Dieu est pire de ce que vous pouvez penser ou faire à vos ennemis. Si Dieu intervient, cela peut amener ces personnes à la repentance et au salut. Dans un sens, tout comme avec David, Dieu place les ennemis, vos ennemis, ceux qui vous font du mal entre vos mains. Et c'est une occasion pour vous et pour eux, pour vous, de vous rapprocher du Seigneur et pour eux, pour qu'ils soient sauvés. Amenons-les et nous-mêmes dans la prière. Psaume 13, verset 1, c'est jusqu'à quand, éternel M'oublieras-tu sans cesse Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face La solitude peut être la plus difficile des choses dans la souffrance. Le silence de Dieu dans les injustices du monde est le sujet de beaucoup de commentaires de rabbins, de théologiens, de philosophes. Les rabbins appellent ça Chetzer Panim. Chetzer Panim vient de ce psaume où il dit Tu caches ta face. On doit comprendre, selon ces commentaires, que Dieu s'éclipse de l'histoire humaine pour permettre le vrai libre arbitre et pour que l'humanité puisse vivre librement et malheureusement souffrir les conséquences qui en découlent. Ceci provient du contexte, bien sûr, de la Shoah, où beaucoup de gens essaient de comprendre comment 6 millions du peuple juif ont pu périr dans les camps, dans une indifférence divine, auparavant, ou en apparence en tout cas. Beaucoup de juifs sont aux prises avec cette question et ont du mal avec cette période de l'histoire. J'aimerais vous lire un passage d'un grand personnage qui vient de mourir cette année, qui s'appelle Elie Wiesel, qui a écrit par rapport à ses propres expériences dans le camp, en réfléchissant à toute la famille qu'il avait perdue à Auschwitz. Il dit dans son livre Nuit Jamais je n'oublierai cette nuit. La première nuit de camp qui a fait de ma vie une nuit longue et sept fois verrouillée. Jamais je n'oublierai cette fumée. Jamais je n'oublierai les petits visages des enfants dont j'avais vu les corps se transformer en volutes sous un azur muet. Jamais je n'oublierai ce silence nocturne qui m'a privé pour l'éternité du désir de vivre. Jamais je n'oublierai ces instants qui assassinèrent mon Dieu et mon âme et mes rêves qui prirent le visage du désert. Nous n'avons pas le temps, nous ne sommes pas assez exposés à ce sujet pour une plus longue analyse. Néanmoins, j'espère tirer un parallèle dans la vie de Job. Job qui a tellement souffert et après des événements horribles qui ont ruiné sa fortune, son travail, sa famille, sa vie, ses amis, Job demande à Dieu pourquoi. Pourquoi pourquoi la question qui, que tellement se pose Dieu ne répond jamais à cette question. Par contre, dans la douleur de Job, l'identité et la présence de Dieu apportent une perspective différente. Alors Job dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes dessins Oui, j'ai parlé sans les comprendre. J'ai un ami qui a eu un bébé trisomie, trisomique et euh, il se souvient quand il ne savait pas, il savait pas qu'ils allaient avoir. À l'hôpital, plusieurs personnes sont venues le, les voir pour essayer de les conforter. Et il a dit que plus tard dans la journée, avec son épouse, il réfléchissait à toutes les choses que les gens lui disaient. Certaines paroles étaient vaines, certaines même risibles. À la fin de la journée, ils se sont mis à rire parce que certaines choses qui leur ont été dites étaient même ridicules. Mais il a dit qu'une chose l'a frappé jusqu'à ce jour qu'un ami pasteur est venu. Il était à regarder son bébé à travers la poupinière et il pleurait. Il est venu il l'a tenu par la main. Pendant dix minutes, il n'a rien dit. Il était juste là par sa présence. Il a dit que ça l'a réconforté comme aucune parole n'aurait pu le faire. L'idée de la présence. Est-ce qu'on vous a déjà écouté mais vraiment, écoutez. Euh, écoutez, je veux dire que quand vous parlez, la personne qui vous écoute ne fléchit pas, vous regarde droit dans les yeux et vous êtes le centre de ce moment. C'est merveilleux d'être écouté. Eh bien, j'aimerais vous dire, dans un sens, la personne qui écoute silencieusement, intensément, vous communique que ce que vous avez à dire est plus important que n'importe quoi d'autre qu'il pourrait vous dire en retour. Quand on vous écoute ainsi, on a l'impression d'être le centre de l'univers. Ce genre de relation est inestimable et montre un engagement. Quelqu'un qui vous tient la main et qui ne vous la lâchera pas. Le silence de Dieu est immense. Et dans son immense silence, il nous dit, nous sommes très précieux. Tu es précieux. Tu es précieuse. Si tu étais la seule personne sur cette planète, je descendrais quand même sur terre pour mourir à la croix pour tes péchés, si ce n'était que toi. Dans le verset 4, le psalmiste fait une requête. Regarde. Réponds-moi, éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. La requête est regarde, ou dans d'autres versions, c'est prends-moi en considération. C'est important d'avoir la perspective de Dieu. Esaïe euh, s'adresse à Dieu. Il dit, tu sais Dieu, c'est bien, tu es là-haut dans les cieux, tu règnes en maître incontestable. Mais Esaïe dit à Dieu, Dieu, tu ne sais pas vraiment ce que c'est que d'être un être humain. Tu ne sais pas ce que c'est que de vivre nos vies ici-bas, sur la boue, pénible et douloureuse. Ce serait bien que tu descendes et que tu marches dans nos pompes un petit, un petit moment, pour que tu te, puisses te rendre compte. Et tout de suite, Esaïe se reprend, en Esaïe 60, il dit, Ah non, non, surtout ne fais pas ça. Si tu descends, les montagnes brûleront, les, les océans bouillonneront et la Terre sera, sera rendue en cataclysme. C'était une vision de la sainteté et de la puissance de Dieu et le jugement de Dieu sur ce monde. Dieu a un plan pour vous. C'est clair comme de l'eau de roche. Ce n'est pas un plan dépourvu de souffrance. Ce n'est pas un plan qui dépend de notre façon de vivre, une vie parfaitement pieuse. C'est un plan où nous avons une relation personnelle avec Dieu en reconnaissant qui nous sommes et qui Dieu est. Jérémie, le prophète, dit ceci, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Ce psaume, le psaume 13, finit avec un changement brutal. Vous avez vu le changement tout de suite vers la fin Moi, j'ai de la confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. On y voit une transformation. La douleur, la souffrance, la cruauté insoutenable. Que s'est-il passé Parti, transformé en chant. Cependant, le prophète isaïe à un moment, dit ce qu'on a dit. Et pourtant, Dieu n'est pas venu en puissance et en feu pour brûler et dévaster la terre. Dieu est venu dans le corps d'un bébé vulnérable. Il est arrivé en vulnérabilité et il s'est mis en danger pour nous. Je vais lire un autre passage d'Ésaïe où il décrit cela. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est changé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il est blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Non, il n'a point ouvert la bouche. Il n'a pas quêché. Il ne s'est pas plaint. Il n'est pas, pas lamenté. Il n'est pas venu déployant sa gloire, sa puissance, ses forces décadentes et dévastatrices. Il a dit à ceux qui l'ont crucifié Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que nous appelons l'incarnation. C'est le paradigme de Dieu s'occupant de nous et l'exemple de comment nous devrions être avec les autres, même avec ceux qui nous font souffrir. J'aimerais vous inviter dans la présence de Dieu. Pour le connaître et reconnaître qui vous êtes. Pour écouter sans silence. Il y a un chant d'amour dans ce silence et ce chant c'est Jésus. Le grand salut dans le Psaume 13 le mot en hébreu salut c'est Yeshua, Jésus. Permettez à son esprit saint de vous toucher que c'est dans sa présence que nous pouvons apporter notre souffrance, notre péché, il nous transformera ainsi que notre puissance, notre souffrance par la puissance de son salut. Vous pouvez vivre la souffrance de deux manières. Seul et vous allez diminuer ou avec l'amour de Dieu et ça va vous rendre plus fort et plus rempli d'amour et de la présence de Dieu. Lorsque Jésus a été crucifié sur la croix, ce n'est pas seulement lui qui a souffert, c'est aussi les disciples. Ils ont vu leur maître, leur rabbin, leur meilleur ami souffrir et mourir une mort atroce. Et avec sa mort est mort leur rêve de leadership en Israël, d'autorité, de, de gloire messianique. Mais à la résurrection, tout change. Mais ce qui est intéressant, et je me suis toujours posé la question, si Jésus a été ressuscité, il vient dans un corps glorieux, il traverse les murs, il peut être à 40 km le matin et à 100 km le soir sans passer le temps. Il a un corps, comme on dit, glorifié. Et pourtant, et pourtant, il a toujours des cicatrices sur les pieds et sur les mains et sur la côte, il a un trou. Pourquoi s'il a un corps glorifié? Est-ce que il a gardé ses cicatrices eh bien les choses qui lui ont fait souffrir et qui ont fait souffrir les disciples sont source d'une joie éternelle et de gloire parce qu'on le comprend dans le plan de dieu si on passe la souffrance dans la présence de dieu nos souffrances sont absorbées un jour par la gloire de Dieu et nous comprendrons telles les cicatrices dans les mains de Jésus. Prions. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant en exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié, ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retourné vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Seigneur, tu es notre exemple. Je prie pour mes frères et sœurs, que eux, comme moi, nous puissions amener à toi toutes nos souffrances, tout ce qui nous font mal. Seigneur, qu'on puisse, dans ta présence, répandre notre âme devant toi et être en communion, parce que tu prends soin de nous et tu nous écoutes dans la prière. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait pour nous à la croix. Je prie que tu nous donnes à tous la joie de voir nos ennemis se tourner vers toi et chanter tes louanges à nos côtés. Au nom de Jésus. Amen.